Dans le cadre de l'Outil Bayou Fosla, nous vous présentons aujourd'hui 4 numéros hors série qui consisteront à présenter les marchés nocturnes de Saint-François, de Sainte-Anne, du Moule et du Gosier. Le marché de Saint-François, c'est tous les mardis de 17h à 20h30. Vous y trouverez un large choix de produits locaux allant de l'artisanat à l'agriculture. Baba God na your hand working, don't be lying. Na your hand working, I say in oh, oh, oh. To the sing and the dance and the people they rejoice, yeah. Oh, oh, oh. My brother, my sister, don't need today. Oh, oh, oh. If we could do a party, yeah, make we the tango, yeah. Baba God na your hand working, don't be lying. No be lie, yeah. No be everybody. When sleep for night, you wake up, see the light, yeah. See the future is bright, yeah. I need the enter for I, yeah. Make you do your best, yeah. Papa God go handle the rest, yeah. Even if you know that. Catherine, nous présente ton sponsor. Alors, écoute, moi je fais deux choses. D'un côté les bijoux, et tu vois là, je vais comment pour me lancer dans les tableaux en crème. On va te faire miroir aussi. Ouais, j'essaie un petit peu. Mais on les met où exactement ces tableaux-là? Ben ça en fait, tu vois, tu as un petit triangle derrière que tu peux mettre sur les portes, sur les murs, même comme ça tu poses directement. C'est décoratif ou quoi en fait? Ou utile pour le miroir. D'accord. Voilà, je fais des bouteilles peintes à la main. Beaucoup des bouteilles peintes à la main. Mais tu suis un modèle, tu fais du papier calme, comment tu t'organises? Ouais. Code de l'imagination. D'accord, donc en gros, c'est une forme de récupération pour pouvoir valoriser un produit qui est déjà jetable. Je récupère les bouteilles, oui, je récupère les bouteilles vides, j'en ai les étiquettes. Et après, on met du rhum et on voit les gens mettent ce qu'ils veulent dedans. Ils mettent ce qu'ils veulent. Même de l'eau. Même de l'eau. D'accord, donc ça peut servir de bouteille à eau pour le poudre. Voilà. D'accord. Lina, stop, la présence de ton stand. Alors, sur mon stand, vous allez trouver des bijoux. Principalement des bijoux fantaisie. D'accord. La très belle bijoux fantaisie, tout ce qui est cristal, du bois, des bijoux en coco, en bambou. Il y a une très bonne variété. Je vois qu'il y a des coquillages aussi. Coquillages aussi. D'accord. Et sinon, là on est sur le marché de Saint-François. Mais sinon, il y a la boutique qui se trouve au 7 rue du Général de Gaulle, qui s'appelle Jeannelis, où il y a un grand choix de bijoux en argent, de bijoux fantaisie aussi, de bijoux en plaqué or, et un grand choix de sacs très mode. Ok, ben merci alors Lina. Ben c'est moi. À plus tard. Après on va. Peux-tu nous présenter ton stand, s'il te plaît? Mais c'est un stand vraiment de l'artisanat où il y a une partie avec des graines naturelles de la Guadeloupe. Ce sont des graines qu'on peut trouver sur tous les territoires de la Guadeloupe avec chaque saison. Et à part ça, bon, comme il y a le tout public, j'ai une partie graine et une partie tout en cristal. Il faut faire plaisir à tout le monde. Okay. Donc tu as fait un mélange entre local et importé. Voilà. Mais même pas vraiment importé, c'est plus les pierres que j'achète parce que je fais toutes les créations avec. D'accord, tout est fait à la main, tout est fait par toi. Et puis on peut choisir ces pierres, on peut choisir ces graines et je les fais moi-même, les bijoux. D'accord. Mis à part ça, on fait beaucoup d'accessoires pour la création. La personne qui veut faire son propre bijou, il a des fermoirs, des pinces, des boules à écraser, le fil et tout. Et on fait son propre bijou soi-même. D'accord. Donc on peut acheter, on peut se partir pour proposer un bijou. On a une boutique et à la boutique on peut trouver tout ce qu'on veut pour les créations. Elle est où ta boutique? La boutique c'est sur Saint-François, c'est la rue qui amène le dispensaire et ça s'appelle Feeling Art. D'accord, très bien. C'est... Il y a différents milieux, le bon milieu de la mer, de la montagne, de la forêt.
jardin aussi. Là, je travaille dans cette matière, voilà, ça se met ça dessus. Tiens, mon pot, ça vient de saturer, qui a rien, c'est là. Je fais des bois aussi, ça s'appelle un cercle royal. Qui va prendre par du bâton et de la roulette du Seigneur pour moi, ça c'est une tradition africaine. Voilà comment je travaille un morceau de bois que je prends à la rivière, simplement. Donc, je fais aussi des sandales. C'est à base de quoi les sandales? Donc voilà, c'est un cuir et une petite matière synthétique. Voilà. Et tu fais toutes les tailles? Toutes les tailles, des sandales, que je développe aussi bon, l'alimentation végétalienne. D'accord. Je m'organise bon, à la disposition du peuple. Hein. Ok. Ok, merci mon ami. Nous sommes avec Naïma et Leïla et elles vont nous présenter leur son. Alors vous m'avez quoi? D'accord, un sachet, ok. D'accord. Ok. Des bananes pommes. Ça, ça mûrit, c'est jaune, d'accord. Ça se mange en dessert alors. Ok. D'accord. Ok, et vous vendez ça pendant les vacances. Ok. Ben, je vous remercie, Naïma. D'accord. Donc, principalement... Et à part les paniers, tu fais quoi? Ben, paniers, c'est aussi les chapeaux. Tu fais les chapeaux? Okay. D'accord. Oui. Tu vois que tu fais des sacs aussi? Je fais quelques petits sacs aussi. Alors là, c'est du coco. Du coco? Tiens, coco. Le miroir aussi, ça avance? Le miroir, c'est justement pour présenter mes chapeaux. D'accord. Il n'y a pas de miroir. D'accord. Et là, c'est des petits sacs à main. Voilà, c'est des petits sacs pour les enfants. On a des petits sacs pour les adolescentes, voire une femme. Hein. Donc voilà, c'est ça commence bien. On peut porter comme ça. Hein, comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc de la plus petite à la plus grande. On peut s'habiller aussi. Accessoires, je sais pas comment on dit. D'accord. Tout s'équiper chez nous. Hein, okay. La main, on l'a appelé la main au panier. Voilà, c'est un petit. La main au panier. Voilà. D'accord. Donc, eh bien, voilà, merci alors. Alors, ben, nous avons de la canne à sucre. Nous avons la canne à sucre qui s'y met. D'accord. La canne à sucre, c'est sa canne. Donc, c'est pour l'aider un petit peu. Des fruits pays cristallisés. Parce que c'est comme un café à pain. Tout ça, c'est pays. Là, c'est des sud-ouest. Après on a des pommes malaka, super coco, des pommes d'Afrique à faire, un cerf, c'est ce qu'on a là aussi. Des badets, c'est quoi les badets? Avec des lentilles massalées, c'est un peu. Okay. Lentilles massalées, c'est un peu relevé un peu, tu sais. Okay. Après un savon spécialisé qu'on a choisi nous-mêmes, sur les Afriques à faire, à la manger. Attends, il y a plein la manger, mais sans farine, avec du lait. D'accord. Des coquilles de poisson, des fruits à pain. Quel poisson? De la dorade. Ça c'est la dorade, c'est la morue. Dorade et morue. Donc on a différencié avec le moitié. D'accord. Eh bien merci beaucoup alors. À plus tard. Alors moi, j'ai des fruits, des mangues, de la voyage, des grenades. Ça explose quand tu les jettes là. Non, pas des bagues, c'est 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 pas des bagues
Ça nous sent poulet. Beignet crevette. Beignet aux crevettes. Nerf crevette. Nerf crevette. Poulet au printemps. Le poulet de printemps. Et le nerf au poulet. Nerf au poulet. Donc c'est à peu près la gamme. Tu donnes des sauces avec. Il y a la sauce. C'est quoi la sauce? Une belle sauce au roche, c'est quoi la sauce? Le poisson avec les vinaigres. Et après, tu veux le poulet, piment, le lait. D'accord. Vinaigre, piment, ail. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup alors. Ok, on a le bon. Mais ça nous tourne un petit peu. Qu'est-ce que tu vends? Eh bien, sur mon stand, il y a plusieurs variétés de produits. Tout d'abord, nous avons le Christophine. Christophine quoi? Christophine gratinée. Gratinée. Il y a quoi? Fromage. C'est gratiné au fromage et ganaché. Ganaché, d'accord. Ensuite, nous avons le boudin de l'envie. Le boudin traditionnel. D'accord, boudin noir, boudin de l'envie. Et là, nous avons le paella. Le paella, c'est un plat espagnol, mais là c'est une paella entière. Paella entière, c'est quoi la différence? Ah, parce que c'est bien assaisonné, c'est un peu olivier. D'accord. Et après, il y a quoi dans ça? Ah, là, nous avons le fricassé de wassou. Fricassé de wassou. Wassou du levage. D'accord. Là, nous avons le colombo de poulet. Ouais. Colombo, on est obligé de passer par là. Voilà. Colombo, d'accord. Colombo... Là, Saint-François, hein? Voilà, colombo de cabri. Colombo de cabri aussi. Et là, nous avons le lentille jour, au mot qu'on appelle dalle en indien. Oh, c'est pas boyau alors? Non, non. Dalle seulement. Voilà. Et bon, là... dalle, on peut pas cérémonier, elle vient de ton stand alors. Je peux. Ah, tu peux, d'accord. Il suffit de mettre le beau bois. Merci beaucoup. Bien, à plus tard. Mon ami. Je vois que tu vas des oignons aussi. Concombre. Ananas, tomates, carottes, fruits de la passion. Fruits de la passion aussi. Il y a piment végétarien et piment fort. D'accord. Eh bien, merci alors. On a fait le tour. A tout à l'heure. Fais-en-nous ton stand, s'il te plaît. Alors, je pense que c'est la banane. La banane semble, la banane dessert. Alors, moi, c'est tout ce qui est fruit de la saison. Ça fait du poisson, du poisson. Ça fait autre chose, du malaka. Et je suis parti du concept où les jeunes femmes, qui sont un peu dures à fruit de la saison. Donc, je les ai découpées, je les ai mis en sachet. Et je les vends comme ça, à 10 euros le sachet. Et je vois si toi, tu as des poules. Voilà. C'est quoi les poules? C'est du piment végétarien. C'est pur. C'est mixé, donc il n'y a pas assez salé les mains, parce que des fois ça pique un peu. Je l'ai mixé, je l'ai mis en pot. On va voir ça. Les bananes sont dans la série, c'est super bon. Okay. Merci. Alors là, ce sont des œufs faubia, ou des pines du 10, qu'on appelle. D'accord. Il y a des alamandes aussi, qui sont avec. Okay. Il y a du pain parce que c'est. D'accord. Donc en gros, tu sais que là, ça va faire une utilité pour la décoration. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vous présente mon stand. Je viens de la Réunion. Tout ce que vous voyez, c'est chez moi. Vous avez des samoussas préparés avec des bœufs. Ensuite, vous avez des samoussas poulet. Donc, samoussa bœuf et samoussa poulet. Ouais, on peut faire aussi du bœuf. On peut faire au poisson. On peut faire au poulet. Samoussa poisson aussi. Samoussa poisson. D'accord. Ensuite, vous avez des petits bouchons. C'est la pâte à ravioli avec la chair à saucisse. D'accord. D'accord. Ici, vous en avez du riz blanc. Accompagné de la rouvaille saucisse. Et ça, c'est fait comment? Eh ben, la rouvaille saucisse, elle est préparée d'une sauce de tomate, l'oignon, du cidre, le gingembre, surtout, pas oublier le gingembre en particulier. Et puis le convava de chez moi, c'est un citron. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? Alors, le milieu, c'est la chair de légumes. Vous en avez quatre légumes, de la carotte, haricot vert, Christophine et chou.
D'accord. Alors tout ça aussi, c'est préparé avec de la gingembre toujours. D'accord. Donc voilà. C'est une forme de salade réunionnaise. Exact. Ouais, en forme de salade. Mais nous, on appelle ça achat de légumes. Achat de légumes. Voilà. Ensuite, on fait aussi le carré de poulet. Pour aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Donc on a diminué un petit peu tout ça pour aujourd'hui. Mais en trois, en général, il y a ça. Okay. Il y a le carré de poulet. Il y en a aussi... Il y a l'oignon, à travers le morue, bouquin de la bouquette d'oeil, gratin de manioc, gratin de patate, gratin de banane bonne, gratin de pistolet, mandat de morue, et après il y a quoi d'autre? Gratin d'igname, et après des tartes. Acrane morue. À droite. Du boudin. Alors, du boudin rouge, du boudin blanc. Pour ceux qui ne veulent pas manger. C'est quoi, du poisson d'un nature. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de maison parce que c'est pour les végétariens. C'est ça. Merci de nous avoir suivis tout au long des stands du marché des sept façons. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode du marché du moule. Make we the tango di, Baba God na your hand work here.